Quand Boko Haram nous a attaqués sans relâche, nous n'avions aucune sécurité ici. Nous avons souffert pendant 2 ou 3 ans et tout le monde a quitté la ville. Nos enfants n'ont pas été en classe depuis 3 ans, mais ils vont pouvoir y retourner dans un mois ou deux.